de personnes présentes ici. Nous aurons un match ensuite loser bracket, donc le perdant du match sera éliminé entre Cure-Dent et 7 minutes Zazima. C'est son surnom. Et en clou du spectacle, en main event, nous aurons une très très grosse affiche entre Léo et Massiste, qui promet d'envoyer du lourd. Hein. Oh là là, oh, c'était hypé ça. Non mais on va parler du beat, on va arrêter de parler de cet arbitrage moisi que je me suis pris dans les dents. Hein. Alors, non mais moi je proteste, il y a un timer sur l'overlay. Merde. Attendez, est-ce qu'il y a moyen que je modifie ça? Je pense que là on peut faire... Quel sac à merde. Voilà, hop, ça me paraît bien. Non mais remets ça comme c'était avant, merde. Donc voilà. Du coup ça me prend des heures et des heures à faire. La casse. Voilà. Donc c'est bon, hein, voilà. Voilà, on parle plus de timer, merde. Merci, Ika. Bref, ah bah oui, bah il est 20h, on va peut-être commencer à un moment. Est-ce que vous avez un perso que vous voulez éviter? Maggie, comme d'hab. Maggie, comme d'hab. Tout le monde, en fait. Surtout Judas. Tout le monde. Alors, donc quand même, pour rappel, la première semaine, c'était la semaine Kane et Blue Baby. La semaine dernière, c'était Lazarus Azazel. Et donc cette semaine, bon, on va voir qui seront les deux persos hein, qui vont être privilégiés. Et donc on commencera avec... Eh ben, il est pas parti, ça sera Azazel. Est-ce que ça vous va? J'ai pas du tout entendu, mon quatrième bugué, c'est quel perso? Azazel. C'est Azazel, merde! Non, on me disqualifie pas! Il a pas entendu, t'es parti avec le même perso, dehors! T'as perdu 57-0. Oh merde! Oui, j'avoue, quand Bonnie, je le disqualifierai la semaine prochaine. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier match de la semaine? Ouais! Ouais! Ok, donc je vous dis 3, 2, 1, 0 et bonne chance à vous deux! Bonne chance! Bon! Troisième semaine du beat qui commence hein, sur cette petite affiche Azazeloise. Putain, c'est dur à dire. Je dis n'importe quoi, ça commence bien. Il y a pas mal d'avance du côté de chez Gazbrick. Oh, quad shot, sexy. Je fais un petit peu spé. Deux côtés déjà. Non, mais Nocturne, il a pas envie de partir, je crois. Ah, peut-être aussi, hein. Peut-être aussi la peur de gagner. Incroyable. Donc on va voir bon, quel timer va être choisi quand même, hein, de côté. Sachant qu'Azazel n'a pas besoin de starter, hein, n'oubliez jamais cette règle d'or avec Azazel. Les starters ça sert à rien. En tout cas si vous passez pas Eclipse, oui ça sert à rien. On est d'accord. C'est... Voilà, Azazel c'est facile, il n'y a pas besoin de timer. De starter. Voilà. De starter. Tu veux que je te banne ou comment ça se passe? Non mais c'est terrible. Je crois que un traumatisme. Ça va être... En fait, dans 10 ans, j'en parlerai encore de ce match terrible. Un peu comme le coup de boule de Zidane contre Materazzi. C'est un peu ça en fait. C'est scandaleux. Une minute de reset déjà. Et toujours pas de starter des deux côtés. Tremble, Zazima, tremble. Tremble. Ouais, t'as encore 5 minutes à tenir. Zazima, jamais le premier dans nos cœurs sur le record de reset. Hein. Hypikak, ça sert à rien, Azazel. Hey Crafter, what's up? Hey Crafter, how are you, man? Non, mais c'est un abus de langage, le coup du timer, c'est tout. Evilai du côté de Chinoctian, évidemment, c'est pas pris. NP! Il y a un timer pour fou, putain! Puis du salt. Là, tu vas en prendre plein la gueule de la part de la buvette, je pense. Ah, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Polyphémus. Ouais, Gazbrick il part avec finalement. Joue l'audace. Il sait pas. Bah, après, c'est pas ultra mauvais, hein, Polyphémus. Il suffit d'un peu de tears up et puis c'est parti. Et puis ça peut être une run gagnée. Nous sommes des 30 ans désormais. Tremble, Zazima. On va dire ça toutes les minutes, tu sais.
Donc Zazima que vous reverrez après, hein, avec des resets. Ah, Ludovico du côté chez Octian, et c'est parti. Bon, putain, j'ai du retard. Et c'est parti, incroyable. Ah, Kaioche et Zestropole, incroyable aussi. Ça nous avait manqué, il a fini de manger, enfin. Oui, non, mais ça compte pas, on est d'accord. Bon, Polyphemus aussi, c'est assez particulier. Mais Ludovico, tu pouvais voir ton rocher marqué, Noctian. Ah, la petite erreur. Ouais, bon, j'aurais bien un peu de retard, moi, sur Noctian. J'ai fait un peu ce play, mais ça marche pas. On peut faire un petit point timer, Kappa. Même pas fait exprès. même pas fait exprès. Et oui, Docteur Fetus. Start, évidemment. Et puis, avec Canada, c'était pété. Je ferai un long tweet pour expliquer ce qui s'est passé ce week-end, si jamais il y a des questions. Merde, voilà. Je suis assez salé comme ça, n'en parlons plus. Nous sommes sur un autre tournoi maintenant. Je sais pas trop ce qu'il fait, Kazbon. Il va lancer 4 bombes. Ah oui, il veut lâcher des bombes. Il veut lâcher ses bombes. Il charge la mo. Il a raison. Alors Noctian, c'était un peu la force tranquille contre Ikari, hein, rappelez-vous. Tandis que Kazbrick nous a fait quand même plutôt forte impression. Je sais même plus contre qui il est tombé d'ailleurs. C'est pas contre Azial? Oui, c'était contre Azial. Mais il a vraiment bien joué. Après, Kazruik a un très bon niveau sur le jeu. Pizza! Bonne pizza. Ah, mais il y a Betrayal qui a été pris! Non, mais ça vaut une disqualification d'office, ça. C'est Noctian, pourquoi t'as pris Betrayal? Mon dieu! Parce que c'est bien Betrayal. Mon dieu! Non! Ah, oh, c'est terrible. Petratal. Oh là 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 là. Ah, les dédicaces. Un boss bien merdique avec Docteur Fetus. Ah oui, avec Docteur Fetus, très sympathique. Bon, ça va passer. Connaissant le skill de Kazbrick. De l'autre côté, ça a pris la Satanic Bible et pas la pelle. Et Betratal, c'était en item room. Ah, par contre, Brouwer Bobby n'est pas pris. Ouh, Noctian qui est en train de nous faire des drops de l'infini. La pelle. Peut-être veut-il juste jouer safe, hein. Ah, mais c'est un tournoi de l'émergence. Au final, je sais pas si on a vu un duel de Azazel sans Ludovico. C'est fort probable. Alors par contre, le starter deck pas pris, je suis assez dubitatif sur ce decision making. qui n'est pas à rappeler mon decision making puant également. Oula, par contre, le double pin version 2, c'est dur. Sans mauvais jeu de mots. Ah, les pins, c'est toujours dur. Ah oui. Il y a des draps, va falloir retailler, mais putain. Oh, vous êtes scandaleux. Vous êtes scandaleux, je ne vous parle plus, messieurs. Je vais faire sans le chat, je coupe le chat. Alors qu'il rentre dans Catacombe 2 exactement au même moment pour moi. Ah, non, c'est pas par là, non, tu n'as rien. Tu auras une Sacrifice Room, Kazbrick. Du coup, ça utilise de full. Bien joué. Mais ça se tape un envy. Oui, ouais, bah ça c'est moche, mais bon. Ah, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Ah, Grid qui nous fait une apparition, un caméo. Littéralement un caméo, en plus. Mais tais-toi. Mais chut, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire mes jeux de mots pourris. Ah, Noctian, ça, voilà, ma bite. Utilise ta satanique. Oh, c'est terrible. Voilà, merci. Peut-être un petit avantage quand même en termes de dégâts au côté, du côté de chez Noctian. Même s'il a pas beaucoup d'items. Ha ha.
Ça, c'est pas avoir des pop-up pour ça, Rice. On va avoir une jeune femme, on va avoir une jeune russe à poil. On va pas comprendre d'où ça vient. Deux petits scrolls complètement pétés, mais pas pris. Ouais, c'est pété. Meilleur item du jeu. Hein. Et voilà, un peu d'avance du côté de chez Kazbrick. Ah, bah il peut bomber les portes. Ah, Betrayal qui sert à fond. Bah, au final, c'est ce qu'il fait, hein, comparé à Noctian, qui lui ne bombe pas, qui a pris le parti pris de ne pas bomber les portes. Il ne peut pas, lui. Ah, il a pris Rotten Baby. Mais s'il peut bomber les portes, il a plein de bombes. Il faut les garder, tu bombes pas à Cave 2. Kazbrick is the king. Bah, Kazbrick peut tirer son épingle du jeu sur ce tournoi, hein, clairement. Après, d'en parler, je sais plus avec qui on avait la conversation tout à l'heure, mais on a tous un peu nos favoris. Ah, ça va, maintenant j'ai mon poulain, moi. Mais c'est tous tes poulains, toi, de toute façon. Bah oui, mais moi j'aime bien tout le monde, ouais. C'est... Faux cul. À part ceux du Toll, j'aime pas ceux du Toll. Surtout Grid. C'est pire. Bah ouais. Ouais. Il est bientôt éliminé. Ouais. Ah, c'était avec Kayosh. Bisous Kayosh. Et Grid, pas de bisous Grid. Alors par contre, autant en prendre une batterie pour avoir un cœur noir, ok. Par contre, la Pandora's Box aurait filé 4 cœurs bleus. C'est sexy aussi, hein. Et du coup, il a Depth 2. Kazbrick, il a pris de l'avance. Avec son petit bombing. Mais il a pas tant de dégâts que ça. Hein. Il a juste Dr. Fetus pour l'instant, même si c'est suffisant pour finir une run. Ah, Bucket of Lard, meilleur item du jeu. Il fallait le prendre. Dommage qu'il joue pas Maggie. Ouais. Je crois que Bucket of Lard est un mème aussi. Ah, Team Kayosh. Kayosh, en fait, c'est en même temps l'homme le plus aimé et l'homme le plus détesté du tournoi. C'est quand même beau. Ah, c'est superbe. Superbe guiche. Incroyable. Team Vincent. Ouais, des bonnes runs à Zazel quand même qu'on voit là. Ça stat, mais ça prend pas la couille. Ça stat, mais ça prend pas la couille. Mais c'est horrible. Oh là là. Ah ouais, Kazbrick, il a quand même son épingle du jeu à tirer. Hein. Pour moi. Ah, Docteur Fetus et Mame Rouge. Alors ça, bizarrement, c'est étonnant. C'est la base. Par contre, t'as la Ball Bandage, Kazbrick. Utilise-t'en. Tu verras. Ça peut rien dire, utilise-t'en. Utilise-t'en. Si, c'est un gars, il s'appelle Tan. Team Timer. Voilà. C'est ce que je pense de la blague. Le halo. Et de la merde. Ah, une petite run d'Abila. On prend le knife. Ah, c'est même pas moi en plus. Hein. Bien mon pixel. Je me suis juste. Côté... De... Oh, merde, comment il s'appelle? De Kazbrick. Kazbrick. je me suis juste occupé d'IAGG et de Vincent, moi, hein, c'est tout. Hein. Maintenant, je suis occupé à commenter. Hein. Alors, c'est. Oh! Où c'est mon pixel? Les boss trouvés en deux frames. Oi 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 oi. Motif de disqualification, monsieur Kazbrick. Bon, cas spéculos. Le spéculos arrivera sur Afterwards Plus, ne t'inquiète pas. Va-t-il prendre le poney? Oui, ben. Voilà, belle utilisation du poney. Il s'est mis contre un mur et il a dashé contre ce mur pour juste faire popler Halo. Suffisant. Et pas avoir à attendre que son poney traverse la salle. Qui sert à rien, on perd du temps. Ouais, et Kazbrick qui est en train de prendre une très très grande longueur d'avance. Ah bah là, ce bon pixel en deux salles.
gratuit. Ah, il va clear les slots. Il va tuer les slots pour essayer d'avoir une carte. Un peu de surprenant. Il va clear Monstre 2 pour. Ah non. C'est un peu de la merde. Pas par là. Dommage. Ah, le Speculoos, meilleur item du jeu, hein, probablement. En fait, c'est un peu le truc de Noctian aussi. Je pense que Noctian sait finir ses runs. Mais Kazrik sait finir ses runs vite, en fait. Il y a un peu de ça aussi qui va rentrer. Ah, par contre. Oui, et puis là, il y a de la différence d'item. Hein. Ah, bah oui. Ouais, enfin, il y a différents items, mais voilà. Il s'est quand même pris pas mal de touches, là, Kazrik, il va falloir qu'il fasse gaffe. Il se prend des touches, et puis c'est bien plus dur, là. Kazrik qui veut sortir une rade de béton, et oui. bien joué. Merci à Gigi pour ce jeu de mots. Ta mémoire sera... Ah merde, j'ai un énorme buff. Sera gardé à tout jamais. Ah, t'as un buffer, on va faire au time, hein, Grida, n'oublie pas. Et toi, je vais te ban en fait. Ah oui, mais ban-moi. Oh oui, ban-moi. Ah, le dégât est pas ouf non plus, hein, quand même, de son docteur fœtus. Même si c'est suffisant pour finir un run, là, quand même, on voit que ça commence à. Voilà. Hypolysos peut-être à utiliser ici, hein, pour éviter cette phase de l'ennui. Bon, même si c'est pas fait toucher. Attends, parce que j'ai fait post-play, mais du coup. Oh, une cover d'art du côté de chez Noctian, sympathique. Bah, c'est comme hier sur le IOTR, je crois qu'on avait vu deux Lilith tomber sur une run. Une Lilith qui avait pas été prise, elle était retombée sur un autre Lilith derrière. Je dis pas de conneries, hein. Alors que j'ai une magnifique mise à jour de Windows qui vient de se lancer. Ah, le Windows Run Killer. Ah, ça de bombe, c'est sympa. Ah oui, mais t'as... Ouais, dommage. C'est... Ça aurait pu être encore plus sympa, mais bon. Je pensais honnêtement que ça balancerait plein de petites brimes. Bah, des brimes d'Azazel. Moi, je peux juste mal parler de Kayosh, là, pour l'instant. Je crois que je suis en blague. Et eh ben je commenterai tout seul, mais c'est vrai que c'est sympathique ce petit stuff. Je sais pas si les bombes tout seul font la petite brime ou pas. Je pensais honnêtement qu'il aurait déjà la petite brime de base en fait. Oh, jolie utilisation. Non, parce que c'est pas un item en fait. C'est pas considéré comme un item. Oui, mais ça de bombe tout seul en fait avec la lille brime, je crois que ça balance une petite brime. Je crois, hein. Si je dis pas de conneries. Non, la Tamie fait une petite brime, mais pas les 7 bombes. Oui, mais je crois que ça te donne tout seul, si, j'ai déjà vu. Alors, je dis peut-être des conneries après. Mister Béga, sympathique. Bah, je dis des conneries, mais... Comme d'hab. De toute façon, je sais pas jouer au jeu, moi. Bah non. Oui. Ah, bon, merde. Bah, il pique, il meurt. Écran puce. Ah bah, tu vois, Grid, c'est toi qui dis de la merde, voilà, hop, tiens, dans tes dents. Quoi? Merci, Popoche. Alors pourquoi là ça le fait pas? Bah en fait ce qui serait bien... Oh là, la touche. Ce qui serait bien en fait c'est que Kazrik nous fasse une utilisation juste d'une bombe. Et je suis persuadé que la bombe oui, seule, ça fait le truc de Tamie. Bumbo c'est pété. Alors pas de touche sur les cacas s'il te plaît. T'as vu que Noctian refait son retard, hein, donc si jamais il y a un wipe, va falloir faire gaffe. Bullet right, voilà, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il est confus. Ah, peut-être un Bob's Curse. Parce qu'il y a Docteur Fœtus. Voilà. Ouais, ça va être quelque chose comme ça, oui. Oui, non, mais... Si, c'est ça, mais en fait, je te comprenais pas ce que tu voulais dire. Eve Mascara, peut-être était-ce pas une très bonne idée. Oh, quoique... Ah si. Ah, le problème c'est qu'il va falloir s'approcher pour poser les bombes, hein, du coup. Ouais, mais je pense que c'était une bonne idée. Faut juste qu'il crève pas maintenant, c'est ça le truc. Qui est-ce ton poney là?
Alors, y a pas besoin, ils vont prendre l'annexe. Ah, il a utilisé peut-être un peu tardivement. Ah, ouais, par contre, attention. Ah, le cœur. Le cœur qui va faire bien. Et Noctian qui arrive à son chest. Attention. Attention. Ah, la Pokéball pour capturer Blue Baby. Ah, et puis il y a un Mulligan, hein, donc. Et si c'était pas fini? Bah, Casbrick, il a fait le tour du chest. Hein. Y'a pas une salle où il a pas été. Ah, ça va pas tarder. Ça devrait pas tarder quand même. Il prend le cœur. Ouais, il arrive. Il y a eu un cœur dans la salle d'avant, il va retourner le chercher. Hein. Non, même pas. Ah, les balls. Là, il va tout bourrer là. Deux touches. Attention, attention. No. Oui, c'est bon. C'est bon. Victoire de Casbrick, incroyable. Sur un docteur fœtus. GG Casbrick. Oh là là, quelle horreur, elle m'a fait stresser cette run. Hein. Mais la fin, la fin était aussi tendue que... je ne sais pas quoi, mais c'était tendu. Ouais. C'était tendu, c'était un beau match. Beau match pour commencer, Noctane, c'était pas très très loin. T'étais pas loin de le rattraper, c'était pas loin. C'est bon, j'entends pas Shigen. Bonjour. Noctane, est-ce que tu nous entends? Il nous entend pas. Je vous entends, mais pas Shigen. Ah, merde. D'accord. C'est ban Shigen. C'est pas très grave, de toute façon il dit que de la merde. Oui, voilà. C'est fort. Babi, t'es bas. Écoute, Grid, fais l'interview. Quelle interview? Pas celle de Noctian, merde. Bah c'est beau, il a perdu, on passe à la suite, y'a pas besoin d'interview. Voilà, exactement. Vous êtes scandaleux. On enchaîne. Vous êtes scandaleux. Enchaîner là. On enchaîne si c'est comme ça, ma bite, voilà. Regarde. Oulala, la roue. Oh, y'a plus rien qui marche! Oh, la roue est biaisée! Disqualification de la roue! Oh, non. Bah, ça sera Eve sur une roue totalement biaisée et moche. Ce sera Eve. Très bien. Ok. Eve. Vous me dites quand vous êtes prêts, et puis je suis dessus. It's ok. Go. Bon, je te laisse faire le décompte, Grid, du coup. Oui. Donc, 3, 2, 1. C'est parti, bonne chance à vous. Bonne chance. Alors ça c'est rigolo. La roue est biaisée. C'est scandaleux. C'est une rondade. Oui, mais bon, ma pite. Voilà. Par contre, il y a pas mal d'avance du côté de chez Casbrick. Hein. Ouais. Casbrick qui part. Encore Docteur Fœtus, mais merde, oh là là. Ah. Arrêtez cet homme. Arrêtez-le, oui. Par pitié. Alors que fait Noctian? Il s'est eu smouchis. Bonjour à tous ceux qui sont là, d'ailleurs. Oui, Noctian qui... Bon, on va attendre un peu hein, son starter. Mais au Casbrick, il devrait. Il va s'envoler assez vite. Hein. Ah ouais, peut-être, ouais. Voilà, c'est bon. C'est fait. Après, on prend la tête de sac et on farme la carte en port. Moi, Servé, j'ai envie de dire, il a pas de timer sur son stream. Voilà. Donc, disqualification d'office. Hein. Mais en fait, on sait pas trop pourquoi il part. Ah! Qu'est-ce que vous dites, monsieur Grid? On sait pas pourquoi il y a autant de délais chez Noctian, en fait. Ouais. Alors, Kayosh... Parce que la run d'avant, déjà, il a mis vachement de temps. Bon, tiens, je vais l'amener en scred. Voilà, il y a un troisième commentateur. Ah non, mais moi, je refuse. Je m'en vais. Attends, si tu veux, je peux l'expulser. Le descend, c'est un starter. Et oui, toujours avec toi, Shigan. Prends-le, starter, ta treatment. Prends-le. Do it! Make your dreams come true! Ah.
Et sinon, ouais, encore Dr. Fetus pour Casbrick, quoi. Ah ouais, ouais, bah, il aime bien. Bah ouais. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est le premier starter qu'il voit, autant le prendre. Oui. Ah, knife du côté de chez Noctian. Après, est-ce que Noctian sait jouer du knife? Ah oui, bon, j'espère bien. J'espère aussi. Donc ça prend beaucoup de touches là du côté de Casbrick. Il faut qu'il fasse attention. Je crois juste en 30 secondes. Ça joue safe hein, du côté de chez Noctian. On faut prendre les deux là. Et le problème c'est que là avec la tête de sac, faut la bomber la machine pour avoir les 15 pièces. Hein. Ouais, ouais, oh, il l'aura. Bah oui, ça prend un peu plus de temps. Après vous pouvez trouver tellement d'empereurs. Et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Des bisous tout le monde. Little Baggy, c'est pété. Surtout que maintenant t'auras que des pilules. GG. Gros Curse of the Blind. Ah bah quoique avec un PhD, ça peut être très sympa. Ouais, mais avec son stuff, ça servirait pas à grand chose en fait. Faut prendre le deuxième, hein, de toute façon. Eh ben non, il refuse. Bon, le deuxième aurait pas été dégueu. Du coup, il laisse la map. Ouais. Ouais, je crois que la map avait disparu surtout parce que... avec le Little Baggy. Alors oui, les gens veulent savoir pour le Stropol. Oui. Alors, 11 votes pour Casbrick et 1 pour Noctian. Ah, c'est déséquilibré. C'est... Noctian, le Jean-François Copé du beat. Attends, je regarde. Non, il a quand même plus de pourcentage que Copé. Ah, bah ça, c'est pas étonnant. Oui, il faut le prendre. Ah, bah, ouais. Oh, ah, l'appel. Oh, l'appel. Oh, par contre, le War of Babylon. RIP. RIP. Mon dieu. Ah, c'est scandaleux. Bah, mais bon, avec l'appel, il est bien. Hein. Ouais. Ouais, là, l'appel. C'est vraiment... pas l'assurance tout risque au couteau de l'autre côté. Hein. Ça a l'air de galérer un peu. 15 centimes le pain au chocolat. Ah, voilà, on peut virer Kayoche, c'est bon. Et coucou. Ah, des bisous, Kayoche. Non, ok. Il va rester avec nous, on va pas le virer comme un malpropre, il s'est proposé. Allez, voilà. Je reste, mais je parle pas. Quoi. J'interviendrai que de temps en temps. Ouais, voilà, tu feras notre homme de terrain, tel. Maître Nelson Montfort. Tel Patrick Montel et Nelson Montfort réunis en un seul homme. Voilà. Exactement. Allez, on espère que la famille de Casbrick à Fort-de-France nous regarde. Ah, bah c'est bien, il a le deck of cards maintenant, bah c'est cool. Bah, le problème de Little Baggy est réglé. Comme c'est le dernier que vous prenez qui est pris en compte, je crois. Oui. C'est réglé, c'est pas mal. Pour une fois que tu dis pas de conneries, c'est fort. T'as vu? Tu t'améliores, hein. T'as vu? Peut-être qu'un jour tu prendras des bombes. Ouais, mais il y a même un timer maintenant sur le stream. Incroyable. C'est ça le progrès, on l'arrête plus. Ah oui. Que je te parle pas du trash talk. C'est à peu près ça. Hein. C'était gratuit. C'est ce qu'on appelle de la modération basique dans le milieu. Ah, Dead Cat avec l'appel, c'est sexy. Hein. Ah, il a un stop sexy quand même là en Casbrick. Hein. Et Noctian, il prend quand même pas mal son temps avec le couteau. Ah, ouais, bah. Très à l'aise, hein. Pas des items faciles à gérer. Toujours. Des larmes. Toujours. Un autre gameplay. Bah, Dr. Fetus, pareil, hein. C'est deux différences de gameplay qu'on voit. Hein. C'est peut-être le vrai Binding of Uzak. Je crois que j'ai pété un plomb tout à l'heure en disant ça. On a cherché à faire un jeu de mots avec Boobs pour faire un prochain tournoi Isaac et... D'accord. Voilà. One shot de Krampus, et ça prend le Lump of Coal. Ça sert à rien avec le couteau. Ouais. Ouais, le couteau, ça sert à rien tout court. Hein. Ça sert clairement à rien avec le couteau, ça sert juste à faire une petite décoration. C'est ouais, beau contre, si il trouve Mo ou Atame, il sera désolé de l'avoir pris. Peut-être qu'il le sait pas. Peut-être. Par contre, Casbrick, il se prend des dégâts. Hein.
Et je crois que ça, il l'a déjà client si je dis pas. Ah bah non, j'ai eu bêtise. My bad, pour une fois que j'y ai Ah, le super bandage. Ça va lui faire du bien, mais il est, du coup, il est plus war. Ouais. C'est pas war site. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va redescendre? Ouais, voilà, il va redescendre à sa salle d'arcade. On a cassé Shigan. Ah bah, ta salle d'arcade, ça coûte prix. On a cassé Shigan. Je crois que je crois que je viens de faire le meilleur jeu de mots de tous les temps. Non, Casbrick, par là, y'a rien. Ouais, c'était sûr. Ah ouais, non. Ah, c'était sûr. Il y avait une lecture de map. Ah, il va pouvoir essayer de récupérer des cœurs. Undefined est pas pris, Noctian. Non, Noctian. Oh là 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 là. Le missigno de Narium, fallait le prendre. Oh là 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 là. Ah, une mob bleue maintenant. Ah, une mob bleue. Voilà, la mob rouge, mob bleue. Le blanc rouge, c'est pour ça le français. Mais c'est pas Cœur-Dent, c'est Casse-Brique. Oui, c'est pareil, ils ont. C'est Kayosh. Prochain tournoi pif, Magic of Isaac, French King Entertainment. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je t'appellerai pour les jeux de mots. Pas mal du tout. Je sais pas qui mérite le commentaire que t'as mis sur Mutant Toyer. Mais oh, on ne parle pas de ça, s'il vous plaît, ici. Ils ont pris tout le sel de ce week-end sur leur bulletin. Alors que le combat contre Mom, eh ben c'est long. C'est long. Comme le beat. Exactement. Gros jeu de mots. Grosse ambiance. Et des villes d'île, crampute. Ah, par contre, là. Ça reste dommage pour Noctian de ne pas avoir pris le Undefined parce que je sais pas s'il sait que son adversaire a la pelle et qu'il peut bomber, mais Undefined aurait pu lui faire gagner du temps. Ah oh bah clairement, hein. Puis surtout là il a perdu sa War. Bah il a perdu sa War, mais il faudrait qu'il utilise justement son Razor Blade pour être de nouveau en World of Babylon. Pour avoir de la vitesse et du dégât. Bon. C'est vrai que Cœur-Dent et Casse-Brique ça commence un peu par. Voilà, c'est la même chose hein, pour moi, hein. Je suis d'accord avec Kay. Oui, c'est pareil. Ouais, après moi je me disais qu'il avait pas voulu prendre Undefined parce qu'il voulait garder le rasoir pour pouvoir rester war, mais en fait finalement oui, il l'utilise pas, quoi. Mais de toute façon, ouais, non, Undefined, ça c'est une erreur, ça se prend. Il y a quand même un souci là. Ah, il va rechercher sa carte, notre petit Casse-Brique, pour arrière au centre, ouais, ça se prend. Rooney qui va se faire atomiser ou pas. Il a pas beaucoup de dégâts et en plus. Là, c'est plutôt l'inverse là, c'est Rooney qui est en train de la. Ah le gangbang de caca. C'est dégueulasse. Ah, oui. Je suis sauté dessus là. T'aimes ça la merde hein. Parce que là on rappelle. Oh ça fait longtemps. Faut pas rester en haut, Casse-Brick, faut pas rester en haut. Parce que là, on rappelle que pendant le tien, cœurs, du coup. C'est un mix entre Eve et Maggie, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que. C'est Maggie, mais avec la vitesse. Parce que là, le vrai souci de Noctian, c'est que en termes de dégâts, il a rien, quoi. Non, il a un knife. Il a un knife. Le knife, c'est. Oui, c'est, non, c'est, mais. C'est non, mais. Parce qu'il y a une run. Non mais à oui, moment, merde non, quoi. Non, je suis bien à cœur, mais après on va dire il est pas à l'aise avec son knife, ça se voit. Oui, certes. Ça, c'est ça le souci. Il se fait beaucoup toucher aussi. Oui, mais ah ouais. Là, merde, putain, j'avais encore la piqûre dans. Casse-Brique, il est pas sûr de finir la run, je crois. On espère voir le match Casse-Brique Cœur d'Or pendant le tournoi. Ah oh, putain non. Il est pas sûr de match. Finir la run. Mais... Je suis pas certaine que Noctian arrive jusqu'à Edivs avec ce build là. Hein. Il va falloir qu'il trouve quelque chose. Hein. Bah, il va falloir surtout qu'il soit lucide pour devenir War of Babylon. Ouais. Bah là pour l'instant il est bien parti pour. Hein. Il se fait bourrer. Et voilà le wipe, mais ça a validé. Ouais, c'est good. Mais du coup il n'y a pas de débit. Mais il y a Hérophant derrière. Donc il y c'est avait cool, certainement hein. Abaddon. Par contre, du côté de. Mais non, c'est juste pour Grid. Moi, je veux juste voir 7 minutes de reset de ton côté, c'est tout. Par contre, du côté de Casse-Brique, bon, malgré la mort, au moins, ça lui assure d'être tout le temps War of Babylon.
vu que avant il avait deux cœurs rouges, là il en a plus qu'un. Ouais. Ouais. Mais ah, encore une carte hiérophante. Ah non, je crois que c'est la même en fait. C'est la même. C'est la même. En fait, il l'utilise vraiment au dernier moment. Oh, par contre, il trouve pas le bon encore chemin. Encore pas le bon chemin. Ouais, un beau mapping. Ouais. Je pense qu'il risque de l'utiliser si par exemple il fait un cycle de mort avec Isaac, avec son Dead Cat. Oui, clairement. Qui arrive. Parce que se faire toucher une fois chez Isaac, c'est quand même assez facile. Bon, peut-être pas. Oui, mais casse-brique, ouais, les maps sont pas ses potes. Hein. Incroyable. Il a déjà fait cuire le chest à l'heure. Grid ne s'est pas trompé. Il a fait cuire la cathédrale. Oh là là, mais pff, ouais, clairement pas. Oh, ça devrait quand même. Et on le voit, pense... dans le chest, ça va être la galère parce que juste pour tuer deux slots, il prend... ça met 20 ans. Oh non, je pense quand même qu'il finira. Il finira, mais ça sera pas rapide. Moi, je suis pas sûr. Hein. Oh non, il va finir quand même, rassurez-moi. Ah, il a aussi les items mutuels qui vont tomber. Hein. Ouais, ça va dépendre de ça, je pense. C'est... Il y aura Ipicac de toute façon. Voilà. Ah. Oui, ah là, si, trop vite. Ipicac, c'est sûr. C'est pas la sécurité. Hein. Non. J'ai pas les dégâts non plus. Hein. Tu es de suite. Voilà, on se fait toucher. Attention. Une distoyer au fond. Utilise ton hiérophant, s'il te plaît, tu vas mourir. C'est la mort. Oh là là, surtout qu'il a, il a, ouais. Ouais, mais utilise ton hiérophant, bordel de cul, merde. Il veut le garder pour le Blue Baby, je pense. Est-ce qu'il se rappelle qu'il l'a? Quand même, si. Oh là là là. Par contre, il là... a vu plusieurs fois. Par contre, là, si ça se trouve, t'avais raison, Grid, peut-être qu'il a deux hiérophantes, parce que la deuxième carte, je sais pas ce que c'est. Ouais, non. Ouais, mais alors, bah, s'il en a deux, ce serait vraiment bête de pas en utiliser au moins une. Je suis bien d'accord. Il a quand même du dégât. Bah, lui au moins, il entend War of Babylon. Mmh. Bon, on voit quand même que. D'accord. Ah, pour le test, ok. À full, ouais, normal. On voit quand même que les équipes étaient là du côté de Casbrick, parce que bon. Ouais, bon, ils gèrent le jeu, on se sent quand même. Oui, hein. Ça se voit. Ah oui, tout à fait. Mm-hmm. Je sais plus à combien il est son PB, mais. Ah, ça par contre, ça peut être sympa. Ouais, là, pour l'utiliser maintenant. Est-ce qu'il va choper? Il aurait fallu essayer de tuer Grid. Ouais, mais dans cette salle-là, c'était pas évident, quoi. Ouais. C'est le côté, c'était quasiment impossible. Il y a pas oublié des cartes, il y a des batteries. Bon, bah là t'es archi safe, hein, grand. Là, tu peux bourrer, hein, y a pas de soucis. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Je crois qu'il va manquer un peu de vie, Clapin. Il y a pire comme grande salle en plus. Ouais, ça va, il y a pire. Ouais, elle est quand même dégueulasse celle-là. Quand les monstres commencent à se tomber en même temps sur la gueule. Bon, il y a pire, hein. Ça pourrait être... Le problème, c'est que tu vois pas, ceux qui sont loin, tu les vois pas sauter. Ça pourrait être des méga envy, des trucs comme ça, hein. Ah oui. Des Teratoma. Ah, par contre, là, méga envy ou Teratoma avec son stuff... Bah, une minute, hein. Ah, que Noctian, il peut wipe, hein. Ouais. Ah oui. Beaucoup touché. Oh bah, on voit qu'il est pas à l'aise, plutôt. On le voit pas souvent transcendance. Ouais. Les gros items. Par contre, voilà. Maintenant il est war. Bah voilà. Est-ce qu'il le voulait? Je pense qu'il voulait garder sa vie. Il doit savoir qu'il est pas à l'aise avec le couteau et. Il doit être ça. C'est vrai que le dégât est pas ouf, hein, du côté de chez Casbrick. Par contre, Casbrick il pourrait utiliser The Fool pour se débarrasser de cette salle un peu pourrie. J'avoue, ouais.
Qu'est-ce que tu fais encore? Il veut passer par le. Par la secret room, sûrement. Mais c'est elle, c'est pas Samson. Ouais, je pense quand même que Kazrick va prendre le point et s'imposer. Oui. Là, il n'y a pas de souci. Je vois mal, en fait, je vois mal Noctian arriver à la KT avec son build là. On va faire un traditionnel point, point tournoi. Donc, le vainqueur de ce match, en fait, affrontera Bolfried. Donc, après, on va essayer de pas trop s'avancer, mais je pense que ce sera Kazrick pour celle-là. Tandis que le perdant affrontera le vainqueur du match entre Serge et Dénès. Donc, un match aura lieu dans encore deux semaines. Hein. Et là, Kazbrick, il a quand même pris 5 touches sur la même salle. Il est dur que ça en plus. Tandis que alors, ça peut wipe maintenant chez Noctian. Ça va wipe, ça wipe, c'est terrible. Oh là là. C'est terrible. Aïe 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 aïe. Donc, est-ce qu'il va avoir Mega Bla... Mister Mega. Mister Mega. Oui, je crois. Allez, on espère. J'ai appelé Mega Man. Mega Blast, c'est pas ça. Mega Man, c'est un boss. Et ben malheureusement, non. C'est rien. C'est terrible. Il y a des batteries. Il a un peu de life, il en manquait. Est-ce qu'il va piffer la Hermite? Ça serait bien qu'il piffe la TP quand même. Il l'a piffé. Et oui, le retour à Memson, incroyable. C'est magnifique. Belle TP. Merci, au revoir. Ah bah Docteur Fetus du côté de chez Octane aussi, ouais. Docteur Fetus. Je crois qu'il y en a un qui en avance. Je suis pas sûr, mais... Ouais, je pense. On va faire aller vite, hein, maintenant. Bombe les portes. On peut le faire. Oh, la salle. Par contre, là, avec Transcendance, ça donne un avantage pour Kazrick, peut-être celle-là. Bien content de voler. Oh oui. C'est rare que ça serve dans le chest, mais... C'est rare, mais ça peut servir. Ça peut servir, quand même, en cas de creep, ouais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, voilà, il est lancé sa baby. Allez. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais, c'est après un nouveau full clear du chest. Oh là là. Ah, t'es la run full clear pour 100. Ça fait pas des cœurs, on sait jamais. Utilisation des cœurs. Et donc Kazrick qui va s'imposer. Dans une run pas fofolle quand même, hein. Non. Alors, manque de dégâts. Alors, on peut toujours avoir une remontada de fou furieux de Noctian. Parce que là, Kazrick, niveau dégâts, il a que le War de Babylone, quoi. Ah, il a vraiment un dégât matériel. Docteur Fetus, c'est suffisant pour finir la preuve, hein. Oui, c'est suffisant, ouais. Avec Aipika, il aura le même dégât, à peu près. Voilà, c'est fini. GG Kazrick. GG Kazrick. Non. Et oh, j'ai fait le con. Kazrick. GG Kazrick. Merci. Ah, j'ai mal joué, hein. Ah, t'as eu un full Je pense aussi, que la blanc card, t'étais content de l'avoir. Full card, ouais. C'est ça. Non, j'ai fait le pari sur le Hierophant, je l'utiliserai vraiment au dernier moment si je suis vraiment dans la merde. Et apparemment, ça a payé. Et t'as bien fait, ouais. J'étais en mode, mais utilise ton Hierophant contre Isaac, tu verras. Utilise-le, tu vas mourir. Par contre, pour un chigan, j'entends toujours pas. Ah, je sais que j'ai été jugé à ce moment-là, je me suis dit, il vaut mieux que j'utilise le jeu de jambes sur Isaac et le garder pour Blue Baby dans le pire des cas. Je vais être jugé. Non, nous ne jugeons personne ici, jamais. Noctian, on a vu que tu avais un peu de mal avec le couteau. Ça doit pas être un item que tu apprécies vraiment. Non, je déteste le couteau. Je joue vraiment au dernier coup. On l'a bien vu. Ouais, ça se voyait, les petites hésitations.